Et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo, les produits terminés, ma vidéo de la semaine. Donc, comme d'habitude, le sac est plein et je procède à cette vidéo. Donc, aujourd'hui, je vous donne mes avis. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et me dire si vous avez utilisé les mêmes produits que moi et ce que vous en pensez. Donc, voilà, c'est parti. On y va tout de suite. Alors, tout d'abord, des blocs WC Fresh Power comme ceci à la pomme achetés chez Action. C'était la première fois que je les prenais, ceux-là. Franchement, je suis pas convaincue. Déjà d'une, ça sent rien. Et puis, c'est pas super, je trouve. J'avais même pas vu qu'il était terminé parce qu'en fait, il y avait le dessin de la pomme devant, la pomme verte. Et en fait, j'avais pas vu qu'il y avait plus de produit dedans. Voilà, donc je suis pas forcément transcendée. Je reprendrai pas forcément. Pour moi, c'est un flop. Voilà. Ensuite, encore un bloc WC, cette fois-ci de la marque Canard Active Clean. Donc, celui-ci est beaucoup mieux, je trouve. Il sent bon. Il est efficace, voilà, après ça reste un bloc WC tout simplement. Moi comme vous savez, j'adore quand mes WC sentent bon, etc. Voilà, je suis un petit peu maniaque à ce niveau-là. Mais c'est vrai que celui-ci est beaucoup mieux que la marque Action. Un liquide vaisselle comme ceci de la marque W5, acheté chez Lidl. Donc là c'était cerisier et fleur de lotus, super dégraissant et c'est un... format 500 ml, j'ai trouvé le packaging trop choupinou et j'avais jamais testé et franchement ils sont très très bien pour 75 centimes. Une Lenor souffle précieux orchidée, 39 lavages, donc j'ai bien aimé, voilà c'est une belle découverte, je ne connaissais pas du tout celle-ci ou du moins je l'avais testé il y a très très longtemps et franchement j'ai bien aimé. Donc moi comme je vous ai dit je ne fais pas 39 lavages avec puisque j'ai une machine de 15 kg qui a un doseur intégré à la machine à laver. Donc je sais pas, j'ai peut-être dû faire, 20 lavages avec, hein. Voilà mais je ne fais pas 39 lavages avec ceci. Une boîte de mouchoirs comme ceci décoratif que j'ai acheté chez Lidl de la marque Floralise. Floralise, oui c'est ça, donc c'est comme le papier toilette. 60 mouchoirs blancs, triple épaisseur, ils sont très très bien. Voilà, en plus d'être une petite boîte décorative sympa, eh ben, les mouchoirs sont de bonne qualité, donc pourquoi pas reprendre prochainement. Un sac de litière, celle-ci c'est la Cristal. Acheté chez Leclerc, donc en ce moment chez Aldi ils sont en pénurie de litière pour chat, donc du coup celle-ci c'est mon ami qui m'a dépanné, donc c'est la marque Cristal Tranquille, voilà, donc elle est pas mal, après je préfère celle de chez Aldi et je trouve qu'elle est beaucoup moins chère pour ce que c'en est fait, c'est bien assez. Ensuite, une recharge spray que je mets dans mon diffuseur Airwick dans les toilettes. Donc celui-ci, c'était celui qui était vendu avec. Donc c'est jasmin et fleur de pommier. J'ai bien aimé. Voilà, très très bien. J'ai vraiment bien aimé. Donc ça sent effectivement les fleurs. Voilà, tout simplement. Un gel WC de la marque Harpic. Donc celle-ci, c'est Active Fresh aux fleurs tropicales. J'ai bien aimé, voilà. Après, j'étais en rupture de Rio, donc je me suis tournée un petit peu vers d'autres marques pour tester aussi. J'ai bien aimé, dire que je reprendrai, pourquoi pas. Voilà, c'était une bonne odeur, un bon gel WC. Donc c'est un format... c'est combien ça? 750 ml, donc voilà, très très bien. J'ai terminé un masque huile fine de coco de la marque L'Oréal de chez Elsève. Donc, comme vous savez, j'utilise le combo. Et là, le masque, c'est terminé. Voilà, tout simplement. Donc, j'adore cette gamme, tout simplement. Et j'adore les gammes de chez Elsève, comme vous le savez. D'ailleurs, un des mélançons protecteurs Elsève, le rouge, que j'ai terminé également. Donc, cheveux colorés ou cheveux méchés. J'aime bien aussi cette gamme, sans souci. Encore un gel WC, cette fois-ci de la marque Repair, la marque Siphon. C'est le Power Effect gel WC surpuissant. Donc au début, j'étais pas très très fan. Et puis finalement, je m'y suis faite. Voilà, c'était deux achetés, le troisième offert. Donc dire que je rachèterais, je ne sais pas. J'ai testé, voilà. Après, c'est un gel WC classique, tout simplement. L'odeur n'est pas tip-top, mais bon. Alors, il y a des bougies, je vais les garder pour la fin. J'ai terminé le fameux produit rose de chez Action que j'ai déjà racheté. Donc, c'est le cleaner multi-usage, etc. Donc, celui-ci, c'est un incontournable. Je l'adore.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au fond du sac? Alors, des bougies, des bougies, des bougies. Oui, on a un petit peu quand même. Alors, j'ai terminé une bougie de la marque Earth and Home, achetée dans ma jardinerie Cercle Vert. Donc, celle-ci, c'était... comment? Noël au coin du feu. Voilà. Donc, très, très bien, ces petites bougies de cette marque-là. J'adore, comme vous le savez. Une autre bougie achetée chez l'Incroyable, la Tropicale de la marque Space. Donc très très bien également. C'est des bougies qui se consument vraiment bien et qui sentent très bon pour 1,45€ pièce. Donc je vous les recommande si vous avez un Incroyable. Une autre petite bougie de la marque Airwick, celle-ci je crois, c'était à la vanille. Donc c'est des petites bougies à 99 centimes. Elles sont trop choupies et en plus, elles sentent très très bon. Une autre bougie Articasa que j'avais achetée chez Carrefour à 99 centimes. C'est une belle surprise également. Donc c'est dans. Et en fait, il y a un rayon où c'est la foire à 1, 2, 3 euros. Voilà, donc j'ai acheté ça pour tester. Elles sont pas mal, franchement, j'ai bien aimé. Donc là, elle est en train de se finir celle-ci. Donc là, c'était fruit de la passion. Voilà. Et pour terminer, un fondant de cire de la marque Yankee Candle, c'est Harmonie de fruits rouges. J'adore cette odeur. Franchement, ça sent terriblement bon. De toute façon, les Yankee Candle, c'est une valeur sûre chez moi et j'adore. Voilà, voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour voir les notifications de mes vidéos. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !